Salut, salut! Hop, alors j'espère qu'on m'entend bien. A priori, c'est bon. J'ai baissé un petit peu la musique, qui est très jolie, certes, mais qui était un peu forte. Alors aujourd'hui, eh ben, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo, je vais essayer rapide. Après, vous avez vu le titre, hein? Les essentiels MJ. Donc vous vous doutez que, bon, il y a pas mal de choses à dire, évidemment. Mais voilà, on va essayer de faire au plus rapide et au plus pratique, donc pour utiliser Roll20. Alors avant de commencer, je dois parler un petit peu des remerciements que je dois faire pour la musique de mes vidéos, qui maintenant, du coup, vont être moins, enfin, disons plus uniquement... les sons intégrés de Roll20, hein, parce que je vous reprécise que du coup Roll20, eh bien il vous donne quand même une bibliothèque de musique que vous pouvez utiliser pour vos jeux, que vous pouvez diffuser si c'est une utilisation non commerciale, bien sûr. Donc voilà, et donc elles viennent principalement de BattleBards, de Tabletop Audio et de Incompetech. Donc ça c'est, on va dire, pour les généralités musique. De Roll20, et bon, bah elles sont déjà chouettes. Moi je les ai beaucoup utilisées. Et on met un peu de temps à fouiller, mais on trouve des trucs très sympas. Mais du coup, je fais un remerciement également à ceux qui ont accepté de bien vouloir me laisser utiliser leur création à des fins non commerciales, bien sûr, pour qu'on puisse diffuser des choses un peu sympathiques ici. Et donc je vais vous dire qui c'est. Donc c'est le fabuleux site, enfin la fameuse chaîne YouTube que vous connaissez probablement, Cryo Chamber, que je vous recommande si vous connaissez pas. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir des musiques d'ambiance quand on fait du jeu de rôle sur Cryo Chamber. Exactement pareil, aussi qualitatif, on va avoir Graham Plowman, qui a également du coup sa chaîne qui est très bien et ses musiques qui sont très bien. Vous allez avoir Adrian von Ziegler, qui est également un compositeur qui fait beaucoup de musique d'ambiance que vous pouvez trouver sur YouTube. Et Darren Curtis, que j'utilise également. Et donc toutes ces personnes ont donné leur accord sans aucun souci, même par écrit, hein. On s'est envoyé des petits mails très rapidement pour qu'on utilise leur musique de manière non commerciale. Si vous avez besoin de retrouver leur nom, ils sont... du coup, maintenant, j'essaye d'y penser. J'écris ça au générique de début, pendant qu'il s'affiche tout au début. Vous avez tout ça, donc vous pouvez retrouver leurs informations. Voilà, donc ça c'était pour les remerciements et vous expliquer un petit peu d'où viennent les musiques que vous entendez, puisque bah, on m'a pas mal posé la question, mine de rien, puisque ça intéresse un peu les gens aussi de savoir comment ils peuvent trouver des ressources pour leur propre contenu quand ils sont embêtés avec ça. Donc là, bah, je vous dis, des gens adorables, je pense très honnêtement qu'ils ont énormément l'habitude de travailler avec des créateurs qui font des choses comme ça sur Internet. Vous pouvez les utiliser du coup sans souci en leur posant la question. Il suffit pour ça de les citer comme je viens de le faire, ou en vocal ou en texte. Bon, moi là j'ai fait les deux, mais après c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez dire un petit mot en début de vidéo et puis ça suffit. Ou alors vous pouvez l'écrire au générique si vous voulez, mais dans tous les cas, en utilisation non commerciale, c'est ce qu'ils vous demandent. Et puis après, en utilisation commerciale, c'est possible aussi. Alors, je ne sais plus exactement quel est le plan, puisque moi du coup, c'est pas ça que je fais. Mais regardez avec eux, ils sont adorables, ils répondent aux questions, ils sont gentils, donc voilà. Donc ça, on va dire, c'est pour les musiques. Et puis après tout, en tant que MJ, ça peut vous être utile déjà. On va dire que c'est le premier petit tips. Puisque si vous voulez diffuser dans la légalité du son avec du public, de toute façon, bon, théoriquement, si vous allez le diffuser à un moment donné et qu'il y a d'autres gens qui l'écoutent que vous, bon, ça doit répondre quand même à ça. Voilà, donc du coup, bah, je voulais aussi vous remercier, parce que du coup, bah, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, bah, chaque jour, je découvre avec grand plaisir qu'il y a des nouvelles personnes qui sont ici. On approche de 50. On est 49, donc à 50, je pense que vous aurez un live chat juste pour rigoler, qui parle pas forcément de jeu, mais juste pour venir discuter avec moi. On programmera ça après mes vacances. Là, on va être absent à la fois pour cause familiale, occupation et un week-end au milieu. Donc, on sera pas là jusqu'au 27. Mais après le 27 mai, je pense que si on a atteint les 50, on fera une soirée genre discussion live ou un truc comme ça. Je verrai, je vais la programmer parce qu'en tout cas, c'est cool. Et voilà.
Donc j'en profite aussi pour dire que même si j'étais très timide et que je voulais pas trop et que j'ai toujours du mal à demander des choses et que je me sens toujours un peu bête, j'ai quand même fait un Tipeee alors qu'à la base c'est vraiment le genre de truc qui me rend timide. Mais voilà, il y a déjà trois personnes de ma communauté avec qui j'ai eu des petites discussions en aparté, qui m'ont fait savoir qu'ils trouvaient que ça pourrait être une bonne idée pour me fournir le matériel nécessaire au prochain projet et que c'était anormal qu'un MJ soit tout seul en fait à prendre tous les engagements, tous les risques, toutes les dépenses pour l'achat des jeux qu'il fait jouer aux gens, toutes les dépenses liées à son contrôle 20 aussi, à son matériel de diffusion, alors qu'en réalité, il y a des tas et des tas de personnes qui en profitent puisqu'on fait jouer beaucoup de gens. Et c'est vrai que je fais jouer beaucoup de gens. Bon, un peu toujours aussi les mêmes personnes qui reviennent, ça c'est sûr, on a des affinités, on a des personnes qu'on connaît mieux, mais j'essaie toujours de garder mes jeux très ouverts et de permettre à ceux qui sont disponibles de jouer et puis à les proposer aussi en extérieur. Donc c'est vrai que il y a eu, je pense, plus d'une cin ouais, même 60, je pense qu'il y a eu plus d'une soixantaine de personnes qui ont croisé mon chemin dans la dernière année et demie pour jouer. Et voilà, et c'est moi qui achète tout. Hey! Salut le Vergeron, je connais ton vrai nom, mais je ne le dirai pas pour garder le secret. Bienvenue. Je pense que tu connais déjà tout ce que je vais dire, on verra sur les astuces MJ, mais coucou, bonne matinée, tout ça. Enfin voilà, donc du coup, merci. Le point musique il est fait, le point remerciement il est fait. On va se lancer du coup dans le vif du sujet. On va parler aujourd'hui des essentiels que le MJ doit connaître dans Roll20. Donc si jamais, sachez que j'ai déjà fait une vidéo qui était un petit peu sur les essentiels, mais là plutôt que les gens de manière générale, joueurs, MJ confondus, doivent connaître. Donc c'est tout simplement la vidéo d'avant celle-ci dans Twitch, donc il suffit d'aller la voir. Et elle est également sur YouTube en rediffusion. Donc voilà, je pense qu'avec ces deux vidéos, celle de, je crois que je l'ai fait samedi, et celle d'aujourd'hui, bah là vous avez un peu tout. Donc le sommaire. Parlons du sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour le MJ? On va parler d'un peu tout, sauf de la lumière dynamique. Ah cool. Eh ben écoute, si tu veux des astuces, écoute, on va regarder. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont cool. Donc du coup, entre la vidéo que j'avais fait samedi et celle-ci, a priori, il y a tout. Il y a tout ce qu'on a besoin pour faire un jeu et qu'il soit cool et voilà. Donc après, c'est des habitudes à prendre, mais je pense que tu verras, tu vas trouver des trucs cool. Ouais, donc je disais, on va tout regarder, mais pas la lumière dynamique, parce que ça, la lumière dynamique, j'en ferai une vidéo vraiment spécifique, spéciale, lumière dynamique, parce que je pense qu'il y a pas mal à voir et que c'est quand même un peu le sujet, on va dire, le plus chiant quand c'est la première fois qu'on l'aborde. Donc je vous ferai une vidéo spéciale lumière dynamique. On va pas le mettre ici aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui on va faire tous les autres trucs. Et puis voilà, donc après on va attaquer, on va dire, le côté MJ. Donc on y va. La dernière fois je vous ai parlé du côté pour tout le monde et aujourd'hui on y va. Donc j'ai fait un petit sommaire parce que je voulais être organisée. Et à mon avis, elle va être trop longue la vidéo, quoi que je fasse de toute façon. Donc on va voir déjà comment on fait un setup pour jouer sur Discord et en vidéo et en audio et être en même temps sur Roll20 et que ce soit pas chiant. Alors, eh ben c'est tout simple, vous allez dans votre Discord. Donc là, je vais vous expliquer ça. Vous allez, là, je l'ai fait. Donc vous ne le savez pas parce que je suis toute seule. Mais voilà, vous allez vous connecter sur votre table de jeu habituelle dans Discord, votre vocal ou votre visio. Donc là, la visio, en l'occurrence, c'est ce qui m'intéresse. Donc j'ai activé ma caméra hein, dedans. Et donc là, dans mon Discord, je suis sur ma table de jeu. Donc vous ne le voyez pas forcément, mais là, je suis sur ma table de jeu et j'ai lancé la vidéo. Donc bah du coup, voilà, j'ai lancé la vidéo et j'ai été ouvrir mes vidéos dans une autre fenêtre, du coup, dans une autre fenêtre, voilà, une autre tab entre guillemets. Et donc du coup, eh bien, donc c'est un espèce de lecteur réduit, hein, vous pouvez afficher votre fenêtre de vidéo ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une petite fenêtre comme ça.
Voilà. Donc cette fenêtre, vous avez en fait des options dedans. Donc voilà, je vais vous mettre ça en surbrillance. Et vous avez en fait surtout en bas, une fois qu'elle est ouverte, votre lecteur, en, voilà, vous avez. Attendez, parce que là, je l'ai agrandi. Donc, vous avez ici là, hop, la petite pin qui vous permet de mettre ou de retirer du premier plan vos vidéos. Donc là, elles sont retirées du premier plan quand je fais ça. Mais si je reclique dessus, attendez parce que. Du coup, je vois pas bien ce que je fais avec ça. Hop, si je reclique dessus, elle est à nouveau au premier plan. Si vous la pinez au premier plan, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous la verrez toujours. Et vous pouvez la déplacer où vous voulez. Donc vous pouvez sur votre table de jeu, eh bien la glisser où vous avez envie, la mettre sur le chat si vous n'en avez pas besoin pour voir toute la partie, la décaler si vous en avez besoin. Évidemment, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la réduire, vous pouvez la configurer à la taille que vous voulez. Moi, je la mets en verticale, mais on peut en faire un carré, etc., etc. Donc ça, c'est mon premier conseil. Vous voulez un son de qualité et une image de qualité? Ne passez pas forcément par ce qui est intégré à Roll20, utilisez ça. Et puis à ce moment-là, dans Roll20, bah vous faites ce dont on avait parlé la dernière fois. Vous mettez vos avatars en fait en nom uniquement, hop, comme je viens de le faire. Et donc là, vous avez une table de jeu hyper propre. Et en plus, vous avez des super vidéos de super qualité au lieu des vidéos un peu cracra. Voilà, bon. Bref, je ne vais pas critiquer Roll20, mais bon, hein, voilà. Niveau vidéo et son, c'est pas le mieux. Tout le reste, j'adore, je trouve ça génial, mais ça, c'est pas le mieux. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, le premier petit bidule, astuce, slash, ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Donc ensuite, on va continuer parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Et donc, on va parler aujourd'hui donc des cartes. On va par donc je vous fais un petit sommaire. On va parler des cartes. On va parler donc de comment changer les cartes, les fonds, etc., les images. On va parler de la gestion des notes. Alors attention, parce que ça c'est pour moi le truc le plus important et je crois que je vais vous apprendre des choses là-dessus. Notamment sur les liens que vous pouvez faire hypertexte entre différentes notes. Vous allez voir, c'est très cool. On va parler des raccourcis clavier de Roll20 que peu de gens connaissent, qui sont très utiles. On va configurer une fiche de perso ensemble et des tokens ensemble. Donc ça, c'est tout ce qu'un MJ a besoin. First time. Oh, trop bien! Tu connaissais pas l'astuce. Bah, tant mieux, c'est cool. Voilà. Donc on va commencer sur les cartes. Alors ce que j'appelle les cartes, mes petits amis, ce sont donc ces choses que vous avez là-haut. Spoiler! Méga spoiler! Il y avait plein de cartes que mes joueurs n'ont pas encore vues là-haut pour cette campagne. Alors, on peut appeler ça des cartes, on peut appeler ça des fonds de page, on peut appeler ça comme vous voulez, d'accord? Mais cet onglet là-haut, il est hyper important. C'est un noob. C'est que vous avez là-haut, ben, en fait, un peu tous les décors. Voilà. Donc là, vous appuyez, vous voyez, sur cette petite feuille qui dépasse, Page Toolbar, et ça va vous descendre tous vos décors. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un plus ici pour en créer une nouvelle. Bon, bah écoutez, on va le faire ensemble, hein. Après tout, voilà, je viens d'en créer une nouvelle, donc elle se met à la fin. Vous pouvez la renommer, donc on va l'appeler Blabla. Voilà, entrée ensuite, hein, une fois que vous l'avez renommée. Et dans la roue des options, il y a des tas et des tas et des tas de machins. Donc on va les regarder ensemble. On va pas regarder, je vous ai dit, l'éclairage dynamique aujourd'hui, on va regarder le reste. Donc vous pouvez changer la taille, je ne vous le recommande pas, sauf si vous avez du coup trouvé une très belle image que vous voulez afficher. Dans ce cas-là, elle fait pas la même taille que votre fond de page qui est déjà ici. Dans ce cas-là, vous faites sur votre image ben, propriété pour connaître en pixels eh ben, les propriétés de votre image. Vous les notez sur un bout de papier. Puis après, vous venez les rentrer ici. Comme ça, vous serez sûr que votre fond de page a exactement la même taille que la très belle image que vous voulez montrer à vos joueurs. Moi, personnellement, je ne fais pas ça. Ce que je fais, c'est que je m'assure que mon affichage, ici, dans mon écran, soit parfait. Puisque, en fait, il faut savoir que ce que vous voyez chez vous, ça n'est de toute façon pas ce que verront vos joueurs, quel que soit le mal que vous vous donnez, car en fait, cela dépend tout simplement de la taille et de la résolution de leur écran à la maison. Donc, moi, c'est vrai que ça, je ne le fais plus. Je m'assure juste que mon affichage, quand je suis à 100%, que je n'ai ni zoomé, ni dézoomé, eh bien, je m'assure que mon affichage soit joli, mais le reste, je n'y touche pas. Ensuite, vous pouvez changer le fond de la page. Donc moi je vous conseille de mettre du noir quoi qu'il arrive de toute façon.
Là, on va le sauver, voyez, on va aller voir, on va cliquer sur ça, et donc elle est bien noire. Voilà. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne aussi, tout simplement parce que ça fait très mal aux yeux, autrement, et que c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir une carte qui est sur un fond noir. Donc, quelles que soient les images que vous affichez, peut-être pensez à faire ça, c'est quand même plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, donc là on est sur ma nouvelle page et vous voyez, il y a un quadrillage. Alors je suis pas obligée de mettre un quadrillage, je peux déjà changer mes échelles si je veux, par exemple en mètres, en kilomètres, en miles, en pouces. Bon bref, moi là je vais pas le faire, on s'en fout, mais vous savez que ça existe. Ensuite vous avez de quoi traiter la grille, donc on peut l'enlever. Voilà, là vous voyez, elle a disparu. Donc pareil, je vous conseille de l'enlever si vous voulez mettre des jolies images, parce que sinon. Eh ben, si c'est une image d'illustration que vous mettez, bah, c'est dommage de mettre une belle image d'illustration, mais que par-dessus, il y ait votre grille. Donc là, par exemple, enlever. Par contre, si c'est un battle map ce que vous voulez mettre, bah, vous avez peut-être besoin d'une échelle, auquel cas, ah bah très bien, on va remettre la grille. Donc ensuite, vous pouvez choisir le type de grille en carré ou en hexagone, verticaux ou horizontaux. Donc vous voyez, là, j'ai mis des ex là par exemple, mais on peut voilà, et on peut exactement aussi changer la grille. Donc moi souvent on peut la réduire. Alors le plus petit que vous pouvez mettre c'est 0,5, je crois pas qu'on peut faire plus petit, donc on va essayer, mais là on met 0,5, voilà. Donc ça c'est le plus petit que vous pouvez faire, et après bah, évidemment vous pouvez augmenter. Donc là je l'ai changé, je l'ai rapetissé à 1, bah du coup il est comme vous le propose Roll20. Après, vous pouvez augmenter, etc. Donc ça, tout dépend de ce que vous avez besoin. Voilà. Ensuite, vous pouvez, cette grille, changer sa couleur. Donc, par exemple, là, on va mettre un vert fluo que vous voyez. Donc là, j'ai changé la couleur de la grille, elle est vert fluo. Et on peut changer son opacité aussi. Donc voilà, la rendre plus ou moins prégnante. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous avez une très belle image. Peut-être que vous avez envie que votre battle map, que vous avez pris du soin à faire sur Incarnate ou sur la guilde des cartographeurs ou dans votre super logiciel que vous avez payé un bras et qui fait des super belles cartes, puisque vous êtes un dungeon crawler et vous adorez faire ça, du dungeon crawling. Peut-être vous n'avez pas envie que la grille, elle pète votre donjon, quoi. Peut-être vous avez envie que, bam, ça en mette plein les yeux, que ce soit beau, mais en gardant la grille. Bah, gérer l'opacité, voilà, ça vous permet de faire ça, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, donc ça c'est, on va dire, les basiques. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour le reste, mais c'est plutôt cool. Et comme je vous ai dit, on fera pas la lumière dynamique aujourd'hui, donc voilà. Ensuite, bon, cette page vous pouvez la dupliquer, du coup. Donc bah là, il vous demande ce que vous voulez dupliquer. Donc moi, en général, quand j'ai une carte, je m'embête pas, je copie tout. Et ça vous fait la même. Paf! Voilà, que du coup ça c'est génial si vous avez donc ça c'est un tip ce que je vous donne hein, encore une fois, mais par exemple vous dites bah je vais faire cette carte 2 jours, je vais faire cette carte de fin d'après-midi soir, je vais faire cette carte de nuit, parce que on est sur un scénar qui va se passer au même endroit mais à plusieurs heures. Ah bah, vous la dupliquez votre carte, et puis vous changez simplement par exemple je sais pas, des filtres ou des gifs qui vont être le temps qui change ou la lumière que vous allez rajouter, voilà. Ou alors vous la dupliquez votre image, et puis je sais pas, du coup c'est une évolution. Donc par exemple pour être les étages d'une maison, vous faites votre fond de carte avec les arbres, le lac, le petit truc, le petit pont et tout. Et puis vous changez que le bâtiment, par exemple dans le milieu, d'accord? Par un fond de carte, une tuile. Et du coup, vous avez toujours le fond qui reste pareil. Donc ça permet de dupliquer. Ensuite, vous avez. Alors vous verrez tout ça en rediff, hein, de toute façon. Donc si vous avez raté des bouts, c'est pas grave. Hein. Et puis bien sûr, bah, vous pouvez supprimer. Donc la petite corbeille. Donc vous ne pouvez pas supprimer une carte sur laquelle vous êtes. Voilà, vous voyez, les joueurs, moi, ils sont sur celle-ci là. Donc ça, je pourrais pas de toute façon y toucher, parce qu'il y a les joueurs dessus. Et là, c'est entouré en bleu, parce que c'est là où moi je suis en ce moment. Donc ça, je pourrais pas la supprimer non plus, puisqu'on peut pas supprimer celle où on est. Par contre, on peut supprimer toutes celles où on n'est pas. Donc là, celle-ci, bah hop, on va l'enlever. Je vais aller sur celle d'à côté. Comme ça, je pourrais me permettre de supprimer aussi celle-là. Voilà. Et je vais retourner là où c'est plus joli. Voilà. Donc ça, c'était pour, on va dire, les cartes. En changer, les configurer. Et on va terminer sur, ok, très bien, comment déplacer les joueurs dans les cartes. Donc ben là, vous avez les joueurs qui sont représentés par un petit ruban, hein.
Et ce petit ruban, vous pouvez le faire glisser. Donc là, je vais le faire glisser, par exemple, hop, sur la carte du Brévois, puisque c'est là qu'on va jouer. C'est pas un méga spoil pour eux, ils le savent déjà. Je fais attention, hein, parce que... Voilà, ça peut spoiler fort pour certaines personnes. Et donc voilà, là on a glissé tous les joueurs. On a fait descendre notre petit ruban là-haut et puis on a pris l'étiquette et on a fait glisser tous les joueurs dessus. Et là ils voient tous ça. Mais, c'est pas la seule chose que vous pouvez faire. Vous pouvez aller vous choper là en bas. Vous voyez, j'ai connecté à son insu, parce que je suis très méchante, mon chéri. Je suis allée sur son compte Roll20 que je connais, hein, parce qu'on vit ensemble, tout ça. Et j'ai connecté sa partie pour que vous voyez. Et en fait, du coup, on peut en fait tout simplement cliquer sur le nom d'un bonhomme. Alors, pas les petites flèches, hein. Là, vous avez des flèches de déplacement qui servent en fait à mettre le portrait du joueur où vous voulez. Moi, c'est pas ça que je vous demande de faire, hein. Vraiment, vous allez sur les lettres, là où il y a écrit le nom. Vous faites glisser, ça va vous créer un petit portrait. Un petit portrait. Vous voyez, c'est un click and drag. Et ce click and drag, vous le mettez dans une autre tab. Et là, vous avez une partie des joueurs, tous les autres, qui voient cette carte, et mon chéri qui voit du coup celle-ci. Et là, vous avez en fait ce qu'on appelle splitter votre groupe. Il est donc divisé. Donc là, j'ai, voyez, on va remettre le ruban, hein, que vous voyez bien. J'ai bien du coup ici une personne. Et on voit le petit portrait qui s'est mis dans le coin là-haut, vous voyez? Et j'ai ici le reste de mon groupe. Bah, si je veux que ça s'arrête, je reprends mon petit portrait et paf, vous voyez, je vais le remettre avec son groupe. Et voilà, donc là vous avez en fait tous les essentiels pour la gestion des cartes. Évidemment, sans la lumière dynamique, je vous dis ça, ce sera l'objet d'une vidéo complète plus tard. Évidemment, cette vidéo va être beaucoup plus longue que je l'aurais espéré, mais c'est pas grave, hein. Voilà, on va faire maintenant, on va passer à un autre sujet, on vient de faire les cartes, on va faire ce que j'appelle moi les notes, parce que c'est un petit peu tous ces trucs que vous avez dans votre journal de documents, hein, donc, bah, ça s'appelle journal en fait. Et il y a une chose que beaucoup de MJ n'utilisent pas et je vais essayer de vous la montrer, ce sont les liens. Les liens en fait entre les notes qui sont hyper utiles pour l'écriture. Et qui moi me servent énormément pour mon écriture en fait quand j'écris des scénars et pour ranger. Donc déjà sachez que vous pouvez, on va le faire tout dans l'ordre, vous pouvez ajouter des persos, des aides de jeu et des dossiers. Moi, les dossiers pour moi c'est essentiel. Je ne pense pas qu'on peut être un bon MJ sans être organisé. Donc vous devez faire des dossiers. C'est pas vous avez le choix, non. Faites des dossiers. C'est grâce aux dossiers que vous allez mieux vous en sortir. Donc on va vous montrer un peu tout ça. Donc là on va faire un dossier qui va s'appeler tuto, tout simplement. Hop, il est apparu ici. Vous voyez, il y a un moins. Donc moins ça veut dire que je réduis mon dossier, plus ça veut dire que j'étends mon dossier. Mais là il n'y a rien dedans, donc on va rien étendre du tout. Et sur votre dossier vous pouvez faire un clic droit et ajouter un sous-dossier, un personnage, une aide de jeu, faire un tri par ordre alphabétique, le renommer ou le supprimer. Moi je vais faire un sous-dossier mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche de faire un sous-dossier, parce que c'est très pratique. Donc là, on va mettre astuces et notes, par exemple. Hop, dans mon sous-dossier tuto, j'ai maintenant... Dans mon dossier, pardon, tuto, j'ai maintenant un sous-dossier astuces et notes. Et dedans, je vais vous mettre deux aides de jeu. Vous allez voir un truc assez sympa. Donc on va appeler ça... on va appeler ça note A, par exemple. Voilà. Et je vais vous en faire une deuxième qu'on va appeler note B. Donc vous voyez, hein, vous pouvez faire un clic dessus, un clic normal, un clic gauche, éditer. Et puis quand vous éditez, vous pouvez du coup, voilà, changer. Évidemment, ça, vous pourriez choisir dans édition de l'attribuer à des gens. Il n'y a pas de souci. Donc là, in player's journal, ça veut dire qui le voit, mais juste le voir, pas forcément l'éditer. Et ici, vous avez « et peut être édité par ». Donc, par exemple, on pourrait mettre que tous les joueurs le voient dans leur journal, mais qu'il n'y ait que aller mon copain, par exemple, Sly, qui peut l'éditer. Vous voyez? On pourrait aussi mettre que personne peut l'éditer. On pourrait aussi mettre que personne peut le voir. Donc, ça dépend de votre choix. Ok, donc ça, c'est pour, on va dire, vous organiser, créer ce que vous voulez faire. Maintenant, je vous parlais des liens... des liens, on va dire, hypertextes qui font des renvois entre les indices, les notes, en fait, les handouts, comme c'est dit dans Roll20, et ça, c'est
hyper, hyper cool. J'adore et je m'en sers tout le temps. Souvent, j'ai dans Roll20 mon scénar dans une note. Alors après, des fois, c'est pas écrit en très grosse littérature. Hein. C'est scène 1, il se passe grosso modo ça, il trouve tel truc, tel truc, tel truc. Scène 2, il se passe grosso modo ça. Les indices qui auraient être dispo, ce serait X, Y et Z. Et les ennemis, ce serait W et Jean-Bernard, quoi. Bon, voilà. Et ben, vous pouvez... À condition que vous ayez déjà créé X, Y et Z, l'ennemi Jean-Bernard, etc., vous pouvez faire plein de choses. Donc là, on va dire que je suis. On peut les déplacer d'ailleurs, ces trucs-là, on peut les. Pourquoi il veut pas me le déplacer? Hop, voilà. On peut les déplacer, les mettre dans l'ordre qu'on veut. Maintenant que je suis dans note A et que j'ai déjà donc mis note B. Voilà, donc note A, on va dire que c'est mon scénar, et note B, on va dire que c'est un indice. Eh bien. Vous pouvez écrire ici, donc dans les descriptions qui seront visibles par tout le monde, ou du coup ce qui est visible uniquement par vous, le GM, le MJ, quoi. Bon, ça c'est comme vous voulez. Et ben, par exemple, je vais écrire ici, les joueurs devront se référer à la. Et vous allez voir, je vais écrire note B, mais entre crochets. Donc, je vais écrire note B, pareil que mon autre truc, et je vais fermer mon crochet et je vais enregistrer. Et regardez un peu. Ça, c'est un lien. Et quand vous cliquez dessus, boum, note B. Donc ça, c'est juste parfait, parce que là, vous avez juste à appuyer sur Show to Players, Show to Everyone. Bon, là, je ne vais pas le faire, du coup. Et là, vous suivez votre déroulé d'histoire. Et en fait, vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton, et ça montre bah, ce que vous voulez aux gens. C'est hyper pratique. On peut le faire autant de fois qu'on veut. Vous voyez, je vais faire une note C, par exemple. Donc, je vais créer une aide de jeu, voilà, qu'on va mettre ici. On va la renommer parce que je vous dis, il faut qu'elle existe déjà. C'est dans le sens d'abord créer, on va dire, l'indice, la note, et ensuite y faire référence. Vous ne pouvez pas y faire référence alors qu'elle n'existe pas encore. Mais là, elle existe, donc on va changer la ligne. On va faire ou se référer à là, et donc on va mettre entre crochets, du coup, et ben note C. Alors, c'est pas sensible à la case, vous pouvez mettre majuscule ou minuscule du moment que, par contre, les espaces. Et les lettres, les caractères sont exactement pareils. Et donc save. Et donc là, vous voyez, paf, note C, elle est là. Et paf, note B, elle est là. Donc ça, c'est juste excellent. Enfin, moi, je ne m'en passe plus. C'est vraiment, vraiment l'astuce ultime, quoi, quand vous écrivez. Ça, c'est hyper pratique. Voilà, donc on va supprimer les bêtises qu'on vient de mettre dans mon jeu. Parce que ça, on va pas. Donc vous pouvez supprimer un par un, ou vous pouvez supprimer complètement. Un dossier et son contenu. Donc là, ben, on va supprimer un dossier et son contenu, et comme ça, pouf, tout va disparaître. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'un truc plutôt sympa que je vois peu de gens utiliser. C'est quand vous avez ouvert. Donc là, je vois la progression des points d'XP. Par exemple, vous avez ouvert une note, vous avez ouvert un perso. D'ailleurs, on va le faire avec un perso que vous voyez que ça marche aussi. Voilà, vous avez ouvert un personnage, donc il est là. Vous avez la possibilité de. Retailler éventuellement la taille hein, des fenêtres, c'est comme vous voulez. Là, vous les voyez bien, vous pouvez les lire et tout, mais elles vous cachent la table. Donc, vous avez la possibilité de double-cliquer dans les titres et tout simplement, ça réduit. Voilà. Ah, bah super! Cool si tu les connaissais pas. Bah ouais, c'est hyper pratique ces liens-là. Et ben ouais, moi je les utilise vraiment. Et comme je disais, quand t'écris ton histoire et que t'as des indices ou des persos à faire rencontrer, des lieux dans lesquels les gens arrivent et tout, et que ça tu l'as dans ton journal, bah, tu les références au fur et à mesure dans ton écriture et tac, t'appuies sur le bouton. Et donc ça c'est hyper cool quoi. Moi j'adore, je suis fan, je m'en sers tout le temps. Et ce petit truc-là de réduire, donc comme je viens de faire, je m'en sers aussi tout le temps, du coup, où là, du coup, vous pouvez en fait un petit peu vous sortir tout ce dont vous avez besoin. Donc là, je sais pas, je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? La distance entre les hex, tu vois, c'est pas un gros spoil pour les joueurs, ça non plus, c'est un truc qui me sert juste à moi. Voilà, donc là, j'ai sorti bah, trois aides de jeu, que pour l'instant, j'utilise plus, mais elles sont pratiques. Voilà, j'en ai besoin assez souvent. Ça pourrait être ma fiche de perso, d'ailleurs, aussi, si je suis joueur. Hein, tout ça marche quand vous êtes MJ, mais aussi quand vous êtes joueur, là, ce truc. Et là, je me dis, bon, bah, ok. Et par contre, maintenant, je veux la revoir. Bah, je reclique dessus, deux fois. Tac, tac. Ah, d'accord. Bon, ok, j'ai vu. Bon, bah, je reclique deux fois, et puis, hop, elle s'en va. Je redouble clic, tiens, dans celle-là. Oui, d'accord, j'ai vu. Et je redouble clic, elle s'en va.
Et alors attends, regarde un peu et voilà. Et après, bah, pour la fermer, vous faire comme d'habitude, vous avez la petite croix. Donc bah, vous la refermez quand vous en avez plus besoin. Donc ça, on peut bien s'en servir aussi pour se faire une table pratique, vous voyez, avec par exemple les unes sous les autres, bah, toutes les choses dont on a besoin. Attendez, c'est pas ça, je suis bête. Voilà, donc tiens, je vais mettre mon perso, par exemple, il va être ici. Je vais me mettre. Je crois que je leur avais mis à mes petits copains là des prix, par exemple, les prix des hébergements et des services. Voilà, tiens, bah, j'ai bien besoin de savoir ça pendant le jeu quand je vais en taverne. Tiens, les prix des nourritures et des boissons, bah, j'ai bien envie de les avoir avec moi. Bon, c'est un exemple, hein, d'accord? Mais voilà, c'est ici. Et il vous suffira de double-cliquer pour ouvrir ou de double-cliquer pour fermer. Donc ça, c'est plutôt très pratique, je trouve. Voilà, ça peut permettre de fluidifier encore une fois le jeu. Donc très sympa. Voilà, donc je crois que la gestion des notes, des déplacements, des dossiers, des sous-dossiers, on l'a fait. Les liens hypertextes, on l'a fait. Le double-cliquage, on l'a fait. On va passer dans la dernière partie de la vidéo, donc qui va être un petit peu conséquente. C'est un petit peu les trucs et astuces pour les fiches de perso et les tokens. Alors, je pense qu'il y a du coup pas mal d'entre vous qui vont déjà connaître, on va dire, les bases. Et qui vont peut-être avoir des surprises sur quelques mini-subtilités, en fait, on va dire ça plutôt. Puisqu'il y a beaucoup de possibilités. Donc déjà, avant toute chose, en fait, on va ensemble créer un personnage de toute pièce. Donc on va faire plus ajouter personnage. Et on va l'appeler tuto. Tuto Roll20, notre perso. Voilà. On va lui dire que. Bon, on va lui mettre une image, tiens. On va lui mettre une image absolument ridicule. On va lui mettre ma tête. Parce que j'ai. Voilà, une image horrible que mes joueurs ont fait de moi en faisant une capture d'écran au moment où ma caméra a freeze. Ah, parfait. Et magnifique. Ok. Donc là, du coup, on a fait un perso ensemble. Donc ça galère un peu. Ouais, oula. Voilà. Et donc là, on a un perso. Donc. Comment attribuer un personnage à vos joueurs quand vous êtes MJ? Eh bien, donc là, vous avez c'est Pathfinder, donc là, je pourrais créer un personnage, hein, mais on va pas faire ça. Hein. Après, ça dépend de la fiche là, automatisée que vous faites, donc c'est pas le but là, de notre tuto. Mais on va dire qu'on va l'éditer, par contre, pour lui dire bah, je suis un tuto Roll20 dans la description, et puis on va dire, par exemple, que... Pour l'instant, on n'a pas de token, mais on s'en fout. On va en choisir un tout à l'heure à l'arrache. Hein. Et puis, on va dire que il est visible par tous les joueurs, mais qu'il est contrôlé par l'Inu. Ah, du coup, c'est moi. Donc, c'est très bien. Je suis le MJ, donc sinon, je pourrais tout faire. Mais donc là, je vais mettre mon nom de joueuse, l'Inu. Voilà. On va choisir un token. Donc, on va dire que on va mettre une photo là pour le coup sur le bureau, enfin sur la table de jeu. On va la sélectionner. Et là, quand vous avez sélectionné n'importe quelle image, alors j'ai pris la même, mais ça pourrait être une différente. Vous cliquez sur utiliser le token sélectionné, paf. Et donc, ça, ce sera toujours le token par défaut de cette fiche. Voilà. Donc là, on a fait une fiche et on lui a donné un token. Bon, excellent. Maintenant, il y a plein de trucs qu'on peut régler là-dedans, et en tant que MJ, ça peut vous intéresser. Donc on va déjà, qu'est-ce que je vais dire? Configurer le token? Allez, on va faire ça. Donc on va aller dire à ce token tout ce qu'il a besoin. Alors je me mets au milieu, j'en commence, que vous voyez bien. Quand vous le sélectionnez, apparaît une barre d'état. Donc là, c'est pour choisir de lui mettre un petit logo. Si jamais, par exemple, la cible est fatiguée, piégée, ralentie, enfin bref. Ça peut être parce que vous avez plusieurs fois le même. Alors, par exemple, vous avez plusieurs soldats qui ont le même token, mais vous ne voulez pas vous tromper de quand vous attaquez ou quand vous gérez un token. Vous pouvez lui mettre une pastille de couleur. Donc ça pourrait être soldat avec la même image rouge, soldat avec la même image bleue, soldat avec l'image verte, etc. Pour enlever un truc, il faut recliquer dessus. Pour le mettre, il faut cliquer une fois. Pour l'enlever, il faut cliquer une autre fois, tout simplement. Ensuite, à côté, vous avez la roue crantée des options. Donc, elle est très importante. Hein. Du coup, vous avez les détails du token. Donc là, représente le personnage. Bah, si vous voulez qu'il soit efficace et qu'il marche, votre token, il faut le dire. Il faut lui dire. Donc là, moi, il représente du coup tuto Roll20. Vous pouvez taper la première lettre d'un nom. Et il va aller dans votre liste déroulante, vous proposer le premier qui commence par cette lettre.
Donc là, on va dire que c'est tuto Roll20. On a plein de choix. On peut lui coller un petit écusson pour qu'on voit son nom. Bah, on va le faire, hein, du coup. Après tout, là, on se lâche. Et donc, ensuite, on va voir les barres, mais juste après. D'accord? Je vais vous expliquer. On peut se mettre des notes dans le token. Alors ça, pour le MJ, c'est très cool. J'ai des notes à propos du perso. Voilà. Et on ne le verra pas aujourd'hui, puisque je vous ai dit, on pourrait aussi gérer les permissions de vue de ce que voit le token dans un éclairage dynamique. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. On fera une vidéo spéciale lumière dynamique. Voilà, donc je l'ai bien, j'ai bien dit qu'il représente le personnage tuto Roll20, ce token. Je lui ai mis un petit écusson et on va s'occuper de ses barres maintenant. Mais je vais vous expliquer deux, trois trucs. Donc là, on va le sauver déjà. Et vous voyez, hop, ça s'affiche. Il s'appelle bien tuto Roll20 en dessous. Maintenant, ça, les barres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça là et ça va pouvoir afficher ce que vous voulez. Vous allez pouvoir choisir, grâce à des flèches, eh bien, la liste déjà produite par la fiche automatisée. Donc, par exemple, HP, je pense que ça existe si on va dans les H. On va regarder, hein, mais à mon avis, oui. Pas de raison. Voilà, HP, par exemple, il est là. Donc là, elle a 0 HP, forcément, mon token, puisque j'ai pas fait la fiche de perso. Donc elle n'est pas remplie. Mais voyez, il va chercher tout seul les HP et il va vous dire combien vous en avez. Il doit pouvoir faire la même chose avec la classe d'armure. Il doit pouvoir faire la même chose avec, j'en sais rien. Peu importe, bref, là j'ai pas tout, mais les bonus, tiens, d'HP, bon, bref. Ouais. Donc ça c'est si vous faites référence à des choses, on va dire, qui sont déjà dans la fiche. Voilà. Mais vous pouvez aussi. Et là, attention, je vais vous donner une astuce. Quand vous cliquez sur le token, deux fois, vous ouvrez donc par le double clic. Les settings, c'est un raccourci. Vous pouvez passer par la roue crantée qui est là, voilà, mais vous pouvez aussi juste cliquer deux fois dessus. Ok. Maintenant, si vous appuyez sur Mage, alors attention, ça c'est cool, hein. C'est une vraie astuce, hein. Vous appuyez sur Mage et vous double-cliquez sur votre token. Bah, en fait, il vous ouvre la fiche de personnage correspondant. Très pratique. Dans les attributs, là, vous pouvez ajouter. Non, ça, on n'en a pas besoin. Vous pouvez ajouter ici quelque chose. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter pour les barres, eh bien, tout simplement des choses qui vont s'afficher. Donc, vous pouvez ajouter ici, par exemple, HP tuto. Je vais mettre ça. Comme ça, on saura ce que c'est. Dire que vous avez 6 HP sur 6. Voilà. Et on peut faire la même chose avec la mana. Donc, par exemple, on va ajouter. Allez, plus. On va mettre mana tuto. Voilà, et on va dire qu'on en a 12 sur 12, au hasard, hein, d'accord? Et puis on va mettre un dernier truc, on va dire que c'est la vigueur, allez, donc on va mettre vigueur tuto, par exemple. C'est vous qui choisissez, en fait, ça. Et on va dire qu'on est des fous, on en a 14, on sait pas. C'est juste un exp... Voilà. Donc là, vous avez rentré, en fait, ce que vous voulez voir affiché sur le token, puisque vous avez 3 barres. Ok, très bien, donc vous avez bien fait la fiche de perso, tout ça, vous avez fait le token. Maintenant, on va retourner sur le token, on double-clique. Et là, vous allez voir que, normalement, ils sont apparus, ces trucs-là. Alors, ils sont où? Là, vous voyez? HP, tuto, paf! Oh, je l'ai mis dans le rouge, enfin, je l'ai mis dans le vert, c'est pas une bonne idée, on va plutôt mettre la vigueur, voilà. La vigueur, on va la mettre dans le vert. La mana, on va la mettre dans le bleu, du coup, mana, tuto, paf! Et rouge, là, on va dire que c'est les HP, du coup, hein. Qu'on a fait nous HP tuto. Voilà. Donc là j'ai réglé du coup les barres du jeton et voyez paf du coup elles se voient quand je clique, j'ai le détail et elles sont au-dessus de ma tête. Donc ça c'est pour régler on va dire ce qui s'affiche. Et il y a plusieurs solutions hein, pour régler ce qui s'affiche. Là on a un style normal, on pourrait avoir un style compact du coup aussi, paf. Ou là c'est un petit peu plus petit, c'est écrit moins gros du coup. Voilà. On pourrait également demander où on le veut. Alors, en haut, en bas, en dessous. Bon, là, j'ai mis en dessous, par exemple. Donc, maintenant, les barres s'affichent en dessous. D'accord? Ça, c'est comme vous voulez. Moi, perso, j'aime en affichage normal et au-dessus. Tout simplement parce que c'est là qu'on les voit le mieux, mais c'est pas obligé. Là, le joueur pourra tout simplement faire varier tout seul ses barres, vous voyez, en écrivant dedans, et paf. Et elle varie d'autant. Donc là, c'est vert, bleu et rouge, mais petite astuce supplémentaire, vous pourriez changer ça. Donc en allant dans la roue crantée des options de Roll20, on pourrait dire que ma barre 1, au lieu d'être verte, elle est violette.
parce que finalement c'est autre chose que les HP, que ma barre 2, au lieu d'être bleue, et ben elle serait, j'en sais rien, rose saumon, et que ma barre rouge, elle serait vert sapin. Voyez ou pas? En fait, on s'en fiche quoi. Vous pouvez vraiment régler tout ça comme vous voulez. C'est à vous vraiment de vous faire plaisir. C'est à vous de. Voilà, de vous faire plaisir. Parce que, en fait, c'est un jeu où tout, strictement tout, est possible. Du coup, je ne sais plus ce que représentait chaque couleur. Donc, les HP, la mêlée. D'accord, ouais, très bien. Donc, en barre 1. Ok. Bon, là voilà. Donc, vous avez changé les couleurs, vous avez changé tout ce que vous pouvez mettre dessus. Et le raccourci, alors très très important, le raccourci, vous appuyez sur Maj, vous double-cliquez sur un token et ça vous ouvre l'affiche de perso. D'accord? Vous double-cliquez simplement sur un token et ça vous affiche de quoi régler le token. Donc ça, je vous recommande, c'est excellent hein, de pouvoir double-cliquer sur son token pour avoir sa fiche de perso, y compris si vous êtes joueur. Hein. Vous double-cliquez en appuyant sur Maj sur votre token alors que vous êtes joueur et vous ouvrez votre fiche de perso, ce qui est quand même excellent. Très 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 pratique. Écoutez, je pense que bah, 43 minutes, c'est un bon format. On va pas rester beaucoup plus longtemps. Donc entre la vidéo qu'on a fait samedi, qui sont donc les essentiels un petit peu pour tout le monde de la première fois où on se connecte, on va utiliser Roll20, que je recommande à la fois aux MJ et à la fois du coup et à la fois aux joueurs et même surtout aux joueurs cette vidéo-là. Plus celle d'aujourd'hui, bah, plus la prochaine qui arrivera sur la lumière dynamique, bah, vous avez un peu tout ce qu'il vous faut. Donc pour retrouver la première, eh bien écoutez, c'est celle de la dernière fois qui s'appelle Astuce du jour Roll20. Donc retrouvez-la sur Twitch en rediff ou retrouvez-la tout simplement sur ma chaîne YouTube. Pour ce qui est de celle d'aujourd'hui, bah, pareil, elle va rester en rediff un moment, n'hésitez pas, puis elle va être aussi bien sûr mise sur YouTube également. Et donc aujourd'hui, nous avons vu pas mal de choses. Comment régler Discord de manière assez chouette pour pouvoir avoir les vidéos et du coup être bien posé quand on joue dans Roll20, mais avec des vidéos de qualité, sans que ça gêne le jeu et qu'on soit obligé de switcher d'un onglet à l'autre. Nous avons également regardé tout ce qui permet de gérer ses cartes et ses fonds de table, jusqu'aux petits réglages, on va dire, de chacune, jusque aussi à l'affichage, jusqu'au groupe qui bouge dessus, ou à la division du groupe, où on peut choisir certains personnages et pas d'autres pour les mettre sur certaines cartes. Nous avons également regardé la gestion des notes, leur rangement, les dossiers, l'attribution des autorisations, qui peut les voir, qui peut les éditer. Donc il en va de même pour les personnages, hein. On a bien vu qui peut les voir, qui peut les éditer. Et tout ça, on a regardé dans les notes comment faire des liens hypertextes entre les notes en les mettant entre crochets. Donc ces références très pratiques qui vous servent justement à aller beaucoup plus vite, à fluidifier votre jeu. Les raccourcis clavier de double clic sur les notes qui permettent de les réduire et de les agrandir. Et ensuite, nous avons vu la configuration des fiches de perso et des tokens jusque dans les moindres détails avec justement. Les barres, comment les afficher, qu'est-ce qu'elles affichent, comment les régler, qui peut contrôler les personnages, qui peut les voir, changer les couleurs des barres, etc., etc. Eh bien écoutez, merci encore, merci à toutes les personnes qui permettent à la musique d'être diffusée dans cette vidéo. Je rappelle Cryo Chamber, Graham Plowman, Adrian Von Ziegler, Darren Curtis et tout ce qui est fourni gracieusement en Creative Commons par Roll20. Sur ce, je vous laisse. Merci, merci, merci.